Et tu crois que tu vas être pris avec tout ce bordel sur le dos? C'est pas gagné, mon vieux. S'il vous plaît. Faire trois portages en tout. On a déjà acheminé un. Ouais. Là, on est sur le deuxième. Avec toute la bouffe. Puis ensuite reste le canot à trimballer qui fait quoi, 35 kilos à peu près. 35 kilos. Dans de la forêt, des marécages, du caca quoi, avec des mouches par milliers. Enfin bon, on va faire ça puis ensuite on se relance sur la pécan. Voilà, on n'est pas arrivé. Non. Mais enfin bon, on est plein de motivation et plein d'espoir, voilà. On n'a pas encore pêché un poisson. On s'est toujours pas lavé depuis une semaine, mais voilà, c'est pas grave. Voilà. Et c'est les 10 premiers jours, mais c'est toujours les plus durs. Hein. C'est clair. Donc, une affaire à suivre, on vous tient au courant, on vous donne des nouvelles bientôt. Allez, allez, à plus. Déjà on a fait le portage pour ramener tout parce qu'il y avait à nouveau un grand rapide et puis ben là avec le vent qu'il y a on peut pas avancer quoi. Non, a priori aujourd'hui on est bloqué, on est à quoi environ 4 jours des chutes Falcoli à peu près. On est à 4 jours des chutes Falcoli où on est censé normalement pouvoir donner les nouvelles par téléphone satellitaire. Ouais. Ça fait combien? Ça fait 25 jours de voyage là ou 24. Au début c'est non, enfin, ouais, 22 quelque chose comme 22. Ça, mais au moins 15. Sans donner des nouvelles. Voilà, et puis bah niveau alimentation, on complète avec le poisson et voilà, là il y a une petite cabane mais malheureusement elle est fermée donc on peut pas en profiter. Alors on patiente. C'était plus chiant de journée je crois depuis le début. Ah, la tente s'est à moitié arrachée avec la tempête d'hier soir donc. Aujourd'hui, je rame pour Julie, mon amour. Seul objet de motivation dans ce tumulte d'eau. Pouvoir peut-être téléphoner ce soir d'une cabane via un satellitaire. On va se régaler. Ok, bien joué. Que le paradis existe. Écoute, s'il existe, il doit ressembler à ça, une espèce de grande plage en plein nord du Québec, un peu de soleil, avec ce matin même le luxe qu'on s'est offert en se levant, une petite neige qui tombait vers 8h30, qui n'a pas tenu évidemment. Donc le paradis il est là, sachant. Nous voilà pris au piège sous la tente. Une fois de plus, pris par le mauvais temps. Depuis ce matin, hein. Voilà, depuis ce matin. Il est quoi, 18h? Il est, ouais, il doit être 18h. Donc on va pouvoir se faire un petit repas. Ouais.
tard ce soir. 20 km ouais. Aujourd'hui, on arrive sur par un coup qui pique. Attends. C'est tout le grand problème. Attends. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est bon. Attends, me mords pas. Aïe, hé. C'est bon, je crois. Voilà. Bon ben voilà. C'est pour ça qu'il était parti fouiner. Tandis que nous mangeons un des trois poissons qu'on a pêché, Steph m'a regardé, enfin m'a pas regardé, mais a regardé dans cette direction, tu as regardé dans cette direction, en disant un ours. Et effectivement, il y avait un ours noir à 3 mètres d'ici, sans exagérer. Donc, juste là, quoi. Juste là, exactement. Voilà. Un front, en train d'approcher, nez tendu en avant, attiré par l'odeur du poisson, évidemment. Donc, ça nous a fortement surpris. Mais voilà. On s'est levé tous les deux et il est parti. Et il est parti. Donc, dans l'attente peut-être d'une nouvelle visite. Voilà, on se prépare au cas où, parce qu'on a du poisson avec nous, deux qu'on n'a pas encore mangé. Donc, il risque de revenir. Là, il est 18h, on va dormir ici. Donc, on va essayer de barricader un peu. On va peut-être accrocher des têtes de poisson pour essayer de faire une observation. Mais on ne va pas prendre de risque surtout. C'est pour ça qu'on attache tout. C'est ça, hein. C'est ça. Ouais. On prend par la gauche, là, pas par la droite.